Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ménage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, entre les cheveux longs, les poussières du quotidien, les poils de trois chats, les grains de litière qui traînent un peu partout, parce que j'ai beau mettre des tapis, bah, ça voyage quand même, ces petites choses-là. Bref, j'ai l'impression à chaque fois que je passe le balai que ça fait 3 mois que j'ai pas nettoyé ma maison alors que ça fait 3 jours. Et je déteste faire le ménage. C'est vraiment un truc que je dois confesser. Je déteste faire le ménage. Donc je vous raconte pas la galère et la pression intérieure que je me mets en fait. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester un aspirateur robot de chez Ecovacs. C'est le D-Boot U2 Pro. Un truc que je trouve vraiment génial avec ce robot hein, de chez Ecovacs, c'est qu'il y a un kit pour animaux de compagnie avec une petite brosse en caoutchouc et un bac à poussière XXL. Et ça, je trouve que c'est super malin parce que j'avais déjà testé un autre robot comme ça qui aspirait. Et le bac était assez petit et il fallait des fois que je le vide plusieurs fois en cours de route, ce qui était un petit peu fatigant. Alors que là, c'est un grand bac et du coup, c'est hyper confortable parce que j'ai juste à le vider une fois qu'il a fait son nettoyage. L'autre particularité incroyable, en fait il y en a encore deux autres, c'est que il aspire et il lave. Alors pas avec le bac spécial animaux de compagnie, mais avec le bac à poussière préinstallé. Il y a aussi le réservoir d'eau avec une lingette en microfibre, ce qui fait que il aspire la poussière et il lave le sol, ce qui est quand même assez génial. Et enfin, la dernière particularité que j'adore, c'est qu'il se contrôle sur le smartphone et je peux le lancer à n'importe quel moment. Je peux le programmer pour qu'il se déclenche tous les jours à la même heure. Et sinon, je peux aussi le déclencher à distance. C'est-à-dire que si je ne suis pas chez moi et que j'ai du réseau, Wi-Fi ou 4G, eh bien, je peux lancer le programme et je recevrai une notification quand ce sera terminé. Ce qui fait que je rentre chez moi, la maison est propre et c'est vraiment trop super. Côté bruit, franchement, je le trouve génial. Il y a trois puissances d'aspiration, donc là aussi, on peut choisir. Et franchement, même à la puissance max plus, mes chats n'étaient pas flippés, hein. Rien à voir avec toutes les fois où on sort l'aspirateur traditionnel, le monstre hurlant, où ils bondissent, ils courent dans tous les sens, ils sont flippés, ils cherchent une cachette inaccessible. Et là, franchement, bah, ils n'étaient pas du tout flippés, ils étaient là, ils observaient, sans stress. Donc moi, je trouve ça plutôt rassurant, ça me fait du bien de me dire que je ne les plonge pas dans un état de stress intense quand je fais le ménage. Et du coup, je trouve ça plutôt cool. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre tout en image, hein, du déballage. Je vous montrerai toutes les pièces, je vous montrerai le robot en action. Je vais vous le faire un petit peu en accéléré parce que bon, vous avez un petit peu autre chose à faire que de voir l'aspirateur qui fait le nettoyage chez moi. Mais je vais vous montrer le avant, le après parce que j'ai laissé mon appartement super sale exprès pour voir s'il fonctionnait bien. Vous allez voir, il fonctionne vraiment super bien. C'est parti pour le déballage du robot Ecovacs D-Boot U2 Pro qui est évidemment hyper bien emballé. Alors à l'intérieur, on va trouver bah, le mode d'emploi bien entendu, des filtres de rechange, on a aussi des lingettes de rechange avec la brosse en microfibre, le bac XXL, la brosse en caoutchouc spéciale animaux de compagnie. Ensuite, on découvre eh bien, la prise d'alimentation, le robot bien entendu. Des petites brossettes, dont des brossettes de rechange. Donc ça, c'est aussi très pratique parce qu'il y a beaucoup de pièces de rechange. Et puis, on a la base de chargement. Voilà tout ce petit monde réuni. Moi, j'ai commencé par brancher ma base. Pour la mise en place, c'est très simple parce qu'il y a déjà un bac à poussière avec le réservoir d'eau qui donc sont préinstallés. Là, il suffit de mettre les brossettes. C'est très simple. Rouge sur rouge pour la gauche et puis vert sur vert pour la droite. Le bouton on-off. Alors là, c'est le kit pour animaux de compagnie, donc avec la brosse en caoutchouc et le bac à poussière XXL que je vais installer. Donc d'abord, j'enlève le bac préinstallé. Donc voilà, vous pouvez voir que le bac à poussière du bac préinstallé est beaucoup plus petit que l'autre. Donc je vais changer la brosse en dessous. Voilà, ça c'est une brosse avec des petits poils. Moi, je remplace par la brosse en caoutchouc qui va éviter que tout s'en mêle. Vous voyez que c'est hyper simple. Pour changer ça, ça prend 2 secondes. Et donc, pour changer le bac, ben c'est pareil. Hop, je remplace par le grand bac XXL et je mets en charge pour 5 heures à peu près. Je vous montre l'état de mon sol. Vous voyez des petits bouts de carton, des griffoirs. Vous voyez certainement pas tous mes cheveux qui traînent, ni tous les poils de chat. Quand même, vous pouvez voir que le sol est quand même bien jonché de saleté. Les grains de litière, comme je vous disais, qui traînent un petit peu partout. Voilà, donc c'est quand même pas superbe, hein.
Pendant ce temps, on installe l'application Ecovacs Home sur le smartphone. Vous inscrivez votre mail, etc. Vous vous laissez guider, c'est très simple. On enregistre le robot grâce au flashcode, ça c'est super pratique. Donc voilà, vous enregistrez le Wi-Fi, le mot de passe, bref, vous suivez les instructions qui sont très simples. Et le robot est en marche. Voilà, il s'installe, il est en ligne. Vous pouvez ensuite choisir entre trois programmes. Le nettoyage automatique, celui qui va concerner une zone spécifique, ou alors le long des plaintes, qui est aussi super pratique. Vous pouvez régler un mode ne pas déranger. Vous pouvez choisir la langue, le volume des notifications. Donc c'est très pratique tout ça. C'est parti pour le démarrage. On commence le nettoyage. Là, c'est en mode standard, au niveau de l'aspiration. Donc là, c'est avec le mode du nettoyage automatique. Donc il fait un peu ses allers-retours, il va commencer par cartographier finalement, à force de passage, il va cartographier votre appartement. Là, on est en puissance max. Là, on est avec une puissance max plus. Ce qui est cool, c'est qu'il fait bien le tour de chaque obstacle. Là, on est sur le nettoyage d'une zone spécifique. Encore une fois, je vous le mets tout en accéléré, bien sûr. Là, je l'ai mis en mode nettoyage le long des plaintes, donc il va vraiment faire le contour de chaque partie. Alors, bien sûr, avant de lancer le robot, il vaut mieux bien, on va dire, enlever tout ce qui peut traîner par terre. Ce qui est pratique, c'est qu'il passe aussi sur le tapis, même si à la base, c'est pas forcément fait pour ça. Moi, ça m'arrange qu'il passe sur mon tapis, qui est à poil ras. Alors le test des grains de litière, vous allez voir, c'est top. Regardez, tout est super propre. Et là, il retourne à sa base. Une fois qu'il a terminé son petit programme, il retourne tout seul à sa base. Ou alors vous pouvez stopper le nettoyage en cours de route et le faire rentrer à sa base, bien sûr. Je commence à me charger. Vous voyez avec ce bac XXL, la tonne de poussière, c'est énorme. Voilà l'état de mon sol maintenant. Il est vraiment super clean. Je suis impressionnée, bien sûr, donc il reste des grains de litière sur le tapis, mais bon, c'est alvéolé, donc l'aspirateur ne peut pas passer. Mais c'est super propre. Et voilà, je ne sais pas si ça vous aura convaincu autant que moi, je suis convaincue et super fan de ce robot qui a complètement changé mon quotidien et j'ai vraiment l'impression de vivre du coup dans une maison tout le temps propre. C'est trop cool. Je vous retrouve sur mon blog absolumentchat.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !